Salut les Absoliens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Inazuma Eleven Go Galaxy. Oui, bah pour une fois, c'est pas en stream. Bah ouais, ah mais ça change pour une fois. Mais si jamais vous voulez me voir en live, n'hésitez pas évidemment, le lien est en description. Nous sommes en live sur Twitch quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à passer. Aujourd'hui, petite vidéo sur Inazuma Eleven Go Galaxy. Nous allons affronter une petite équipe au hasard, on va dire. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Je pense qu'il y a, ouais c'est ça, il y a l'Armada XR que j'ai pas beaucoup tapé. Alors évidemment il y a le 11 de Fertilia, mais connaissant le terrain, je vous avoue, j'ai pas trop envie. Donc on va peut-être aller chercher Phalam Medus avec, ouais on va aller chercher Phalam Medus avec l'équipe Miximax. Comme ça on est à peu près niveau équivalent, et puis à voir quoi. Donc écoutez, moi je dis on y va. Alors effectivement la caméra est juste là, donc je vais peut-être mettre le jeu là, comme ça je peux aussi vous regarder un petit peu. Parce que d'habitude je regarde toujours par là. Bah oui, logique, mon écran principal il est par là. Bon, vu que je suis sur un jeu assez particulier, après si je regarde par là, en général ce sera quand même vers l'écran de l'overlay. Donc voilà. Donc évidemment l'équipe n'a pas changé depuis la dernière fois, depuis le tirage au sort challenge du coup. Depuis que l'équipe du Miximax a vaillamment combattu pour ses convictions lors du match contre les Enfants de la Nuit. Mais cette fois, ils vont avoir en face d'eux Phalam Medus, qui n'est pas une partie de plaisir. Genre notamment évidemment avec l'air volcanique, quelle masterclass. Évidemment, il n'y a pas Victor dans l'équipe. Il n'y a pas non plus Red Arc, tiens. Bon, la défense, elle est un peu oubliable. Donc, c'est surtout l'attaque qu'il va falloir faire attention. L'attaque est rendue là aussi, mais même potentiellement Melville, hein, parce que Melville, je l'ai dans mon équipe principale, donc effectivement, ça peut être un petit problème à ce niveau-ci. Barrez-vous, mais voilà, ça commence déjà. Bon, là, je pense que je le balade avec impact guidé, donc ordre d'attaque 0-2. Oui, du coup, évidemment, l'équipe Miximax, c'est... c'est une équipe composée que de Miximax et merde, tu fais chier, Ruger. Sachant que ce n'est qu'une de mes 10 équipes, sachant que j'ai encore recruté pas mal de joueurs qui pourraient composer une potentiellement une 11e équipe. Peut-être que je vais supprimer une des équipes qui me sert pas à grand chose. Et merde. Ou alors évidemment changer un peu les compositions. J'ai notamment recruté pas mal de personnages du football frontière normal. Donc tout ce qui est Kirkwood, Molimp, etc. J'ai recruté. Notamment Cronus, notamment Laurel, notamment Langford aussi. Faudrait que je vois pour recruter certaines personnes de la Lance du Dragon ou du Collège Universel. Je crois que j'ai Saturne. En vrai, je pourrais potentiellement faire une équipe Football Frontière, hein, avec mes chouchous, bien sûr. Notamment Astro Ceres et Naji Kamsha, qui sont des remplaçants respectivement de Collège Universel et de la Lance du Dragon, que j'adore. Pourtant, qui sont même pas utilisés dans l'animé, hein, littéralement. Bon, je suis en train de me faire péter le cul là où ça se passe comment. Bon. Allez, petit pronostic, je les bats 3-0, je dis. Je les bats 3-0, si je peux faire plus, c'est encore mieux. Évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour dire quel est votre pronostic. Lâchez-le maintenant, avant évidemment de voir la fin du match, bien sûr. Lâchez votre pronostic en commentaire. Petit découpage en tranches dans la tranche, sachant que littéralement, ils sont un niveau de plus que nous, donc il est possible qu'on ait du mal, notamment si le gardien invoque un totem exactement. Moi, je crois que j'ai que des esprits guerriers, j'ai pas de totem. Effectivement, j'ai que des esprits guerriers. Bon, après, c'est Sweet Baylong, hein, donc... potentiellement masterclass. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est le gardien et le capitaine de Phalam Morbus. Là, vraiment, limite, vous pouvez foutre... limite, vous auriez foutu au gars, ça aurait été mieux, hein, mais... écoutez, vous mettez le gardien. Écoutez, très bien, très bien. Mais du coup, ça veut dire que le gardien était le capitaine. Mais pourquoi ils ont pas envoyé le gardien, alors, dans les autres équipes, si c'était lui le capitaine? C'est ça qui me trigger un petit peu. Normalement, il l'arrête. Normalement il l'arrête sans trop de soucis, effectivement. Peut-être même qu'on fera même pas 3-0, hein. Ça se trouve on fera 1-0, le score vraiment pile pour gagner. Ça se trouve on va perdre, hein. Ça se trouve on va perdre. Si ça se trouve on va perdre, hein. Imaginez on perd. Non, on peut pas perdre. On ne peut pas perdre. Bon, Desmodus, tu vas... limite,
Limite, fais le trimmer, fais le trimmer, fais-lui baisser ces trucs. Vas-y, Juliette. Vas-y, l'éclair pulvérisant, ça ne rentrera absolument jamais. Mais y a moyen. Il y a moyen de faire baisser son endurance, l'endurance de son totem. Donc allons-y. Évidemment, éclair pulvérisant fait par Juliette et les autres membres du protocole Omega 3.0. Que j'aime beaucoup, bien sûr, évidemment. Lima, Sierra, Juliette, c'est un peu mes bébous du protocole Omega avec Beta. Malheureusement, Beta n'a pas de Miximax, donc je ne peux pas la mettre dans cette équipe là. Et non, je vais me faire avoir. Hein. Ouais, c'était sûr. C'était sûr. Cette vidéo aussi me servira un peu de test aussi. Comment on rend un peu la voix en vidéo direct plutôt qu'en stream. Attention, Lima, à toi, vas-y. Ok, Belong. Non, Belong. Bon, ok, Sol, tu me rattrapes ce ballon. Tu me rattrapes ce ballon, s'il te plaît, Sol. Je vais avoir besoin de toi si je veux gagner ce match. Je vais réellement avoir besoin de toi. Oh, merde. Bon, eh bien... Eh bien, méfiez-vous. Bah, je me suis méfié et je suis dans la merde. Allez, ok, c'est bon. Novembre, Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield. C'est parti, tu me le mets. Tu me le mets seul. Tu me le mets. Oh merde. Bon, bah, seul. Ah, mais non, il a fait ça en son soul strike. Ouf, ouais, non, je pense pas. Je pense pas que ça rentre. À moins qu'il fail, mais je pense qu'il peut pas fail ça. Oh ça! Incroyable, mesdames, messieurs. Incroyable. Incroyable, mesdames, messieurs. Voilà, il y a moyen de faire les 3-0. Il y a moyen de faire les 3-0. Si on peut faire plus, c'est encore mieux. Mais il y a moyen de faire les 3-0. Parce que le problème, c'est que je vais devoir passer armure. Ah, pas forcément. Ouais, mais... Ah, mais aussi, après, j'ai une... Ouais. Non, on va tirer comme ça. On a le plus de chances de marquer comme ça, donc on va tirer comme ça. Tant pis pour l'esprit guerrier. Au pire, j'en réinvoque un autre. Je change Beilong peut-être. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de Striguerier sur le banc. Normalement, il l'arrête quand même. Hein. Il l'a arrêté tout à l'heure. Je vois pas pourquoi il l'arrêterait pas maintenant. Non, ça sert à rien de faire une technique. Ça, vu le temps qu'il reste, ça sert à rien de faire une technique. En plus voilà. Hein, Gabi Xetor qui réussit à remporter le duel. Bon, on va faire 2-3 changements, je pense. Notamment Beilong. Est-ce que. Ouais, non, mais justement, il n'y a pas de... Ah, si, il y a... Ah, oui, ok. Alors, on va changer un peu de formation. On va mettre Zanark en attaque. Belong, limite, on peut le garder. Ah, non, on peut pas... Non, on va pas le garder. En vrai, on va pas le garder. On va mettre Arion... Cocodes Modus, ça peut être sympa aussi. Je sais pas. Non, on va laisser ça comme ça. Enfin, il va falloir soit que je trouve un meilleur gardien que Roméo, soit que je trouve un meilleur esprit guerrier à Roméo. Après, des gardiens Miximax parfaits, à part JP, bah, je vous avoue, je sais pas s'il y en existe d'autres, donc si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en com. Parce qu'à part JP Miximax parfait, ah bah si, il y a Arion et Marc, mais voilà, il n'y a pas autant que ça des Miximax parfaits, de... enfin même des Miximax en forme comme ça, de gardiens, à part JP et Marc. Et Roméo du coup. Ah, ok, d'accord, très bien. Elle a pas bobine électrique, Sierra? Je pensais qu'elle avait bobine. Ah, c'est peut-être sa version normale qui a bobine électrique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que... est-ce que je suis hors jeu, là? Au pire, je tente quand même. Je tente la passe. Si je reprends la balle, je tente la passe quand même. Bah, j'ai pas récupéré le ballon. Bah, c'est un peu gênant. Oh oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Ils ont pas tiré une fois, par contre, hein. Ouais, là j'étais clairement hors jeu. Ils ont pas tiré une fois. Vas-y Zanark. Montre à tous.
Montre à tous le portail dimensionnel. Ah mais attends, mais merde, Zanark, c'est pas... C'est Xuanwu qui l'a... C'est pas... Merde. Non mais quel con. Mais qu'est-ce que je fous, putain. On a dit les 3-0. On a dit les 3-0, si j'y arrive pas, je... Non, non, on a dit les 3-0. On a dit les 3-0. Fibre optique, bon. Ça devrait quand même aller. Ça devrait quand même aller. Non mais pourquoi j'ai pas fait... Pourquoi j'ai pas fait la flamme? Ok, ça va. C'est bien parce que t'es bon, Gabi, hein. C'est bien parce que t'es bon. Hein. La prochaine fois... Bah continue comme ça, en fait. C'est très bien, Gabi. Je suis fier de toi. Bon, Arion, c'est ton tour. Arion, tu me le démontes. Arion, tu me le démontes. Peu importe comment, peu importe avec quoi, tu me le démontes. Je veux mon 3-0, je veux réussir mon propre pronostic, c'est ça qui est beau. C'est la beauté de la chose, mesdames, messieurs. Le direct de Pégase et je fais un score de merde parce qu'évidemment, je suis milieu de terrain. Effectivement, j'ai pas beaucoup de frappe, moi. Hein. Bon, le 3-0, le 3-0 se présente assez mal, on va pas se mentir. Oh merde. Oh merde. C'est un peu la merde, on va pas se mentir. Bah oui, mais effectivement. Ah, mais attendez, ça va être la merde. Mais moi, oh, j'avais Goldie qui pouvait faire un Kira Kira Illusion, mais bon. Écoutez, mesdames, messieurs, la tactique préférée de votre streamer et youtubeur préféré, la fureur des manchots. Ok, Desmodus. Ok, tu... Vas-y, Sol. Oui, Sol. Oui, Sol, tu peux le faire. Sol, je crois en toi. Sol, je crois en toi. Sol. J'ai bien fait de croire en toi, mon grand. Tu es grand aujourd'hui, Sol. Tu es grand. Peu importe ce qu'il peut te faire, ça ne passera, ça passera, mesdames, messieurs. Ça va passer. Le 2-0 qui passe. Le 2-0 qui passe. Tu es grand, Sol. Tu es grand aujourd'hui. Sol est grand aujourd'hui, mesdames, messieurs. Ils n'ont pas réussi à tirer une seule fois. Escarion va réussir à bloquer Berg. Rien n'est moins sûr, effectivement. Ça passe. Ça essaye de une tentative de dribble sur Berg. Novembre qui réussit à louper sans tentative d'arrestation. Gabi. Non, c'est Lima. Oui, c'est bon. Allez, tu l'arrêtes. Belle percée, Berg, mais ça ne passera pas. Novembre, Desmodus. Bon, je peux tenter un truc. Ah, bah je peux pas tenter de truc. Parce que le truc que je voulais tenter va sûrement être empêché par la défense. Eh bah oui, le tacle. Le tacle, bien sûr. Non, non, pas comme ça. Bon, je pense que je peux faire passer une patte gluante, là, non? Pas besoin d'une illusion éblouissante, hein, une patte gluante, je pense que ça suffira amplement. Bon, Desmodus. À moins que j'essaye... À moins que je tente la confluence. Est-ce qu'on peut confluencer dans Galaxy? Non, on peut pas confluencer. Bon bah, Desmodus. Desmodus, fais pas de la merde, s'il te plaît. Bon. Ça va partir obligatoirement sur une armure. C'est quoi le talent de la Desmodus? Bon, on va partir sur une obscure. Obscur. Hein. Vas-y! Mon 3-0, tu l'as dans tes mains, Desmodus! Tu l'as dans tes mains, mon 3-0. Aube obscure, V2. Ok, d'accord. C'était nul à chier. À mon avis, c'est un talent qui renforçait la... Les trucs de terre. J'aurais dû faire Vampire Lord. Fais chier. Bon, bah, rip. Rip. Je pense qu'on va partir sur un... On va partir sûrement sur un 2-0 du coup. Enfin, ce qui est déjà pas mal, hein. Avec une équipe de plus ou moins même niveau, avec des techniques pas du tout évoluées, des esprits guerriers pas si avancés. Tu te fous de ma gueule, Zanark? Tu te fous de ma gueule, Zanark? Tu te fous de ma gueule, Zanark? Tu es sérieux, Zanark? Tu seras comme ça, Zanark? Très bien. Merci, Zanark, de Sro. Incroyable. Mais bon, on va quand même gagner le match. 2-0, du coup. Simersol.
Summersol qui a clairement fait le taf ici. J'espère qu'il fera autant le taf dans les prochains matchs. Marche furtive. Oh, ça peut être intéressant. Je crois que je ne l'ai pas sur aucun de mes défenseurs, celle-là en tout cas. Bref, bah c'était bien cool. C'était bien cool. À mon avis, prochaine vidéo, je vais peut-être pouvoir la tourner dans la foulée. Peut-être que la prochaine vidéo, ce sera contre le 11 de Fertilia. Hein. Ça risque d'être chiant. Hein. Ça risque d'être très chiant. Hein. Ça risque d'être très chiant. Hein. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à partager, à bien sûr à commenter, bien sûr. Si jamais tu as envie de ce magnifique t-shirt que je vais maintenant vous montrer à la caméra avec le logo de la chaîne, le lien est en description si vous voulez l'avoir, évidemment. Tous mes liens des réseaux sociaux sont en description, que ce soit mon Twitter, mon Discord, évidemment ma chaîne Twitch, évidemment, où je live très régulièrement. N'hésitez pas à passer, ça fera évidemment plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était Angel Absol. Tchuss tout le monde.